depuis la vue imprenable sur leur autoroute. J'écris avec ma faille, avec mon sang depuis mes entrailles et l'apnée de mon âme. J'écris pour dessiner la rage. J'écris depuis mes larmes de crocodile et mes sourires à faire trembler une armée entière. J'écris comme un exil à faire, à défaire, à refaire. J'écris pour mes amis et pour mon père. J'écris pour les femmes de ma vie, femmes courage et solitaires, celles qui ploient, celles qui plient, celles qui font face, qui gueulent trop fort, qui savent mieux mordre que d'embrasser. J'écris pour les vivants et pour les morts. J'écris dans un camion, dans un cratère, dans un café, dans un calepin, au dos d'un ticket. J'écris pour ne pas me casser la voix, pour ne pas avaler ma langue. J'écris pour ne pas crier trop fort. Je me suis fait larguer, ça fait plus d'un an déjà. Larguer sans aucune explication, sans discussion, sans concertation. Larguer comme une amarre, décrocher de la bite sans prévenir. Je me suis fait larguer, c'était un jour de printemps. Au début, j'ai pleuré. Il n'a cessé de me répéter que tout était de ma faute et que dorénavant je devrais me taire, que de toute façon je ne servais à rien, que j'étais moche et inutile. L'été est arrivé, il est revenu avec ses beaux souliers et son air assuré. Il a soudain déclaré qu'il avait envie de danser avec moi. Nous avons flirté. J'espérais que nous arriverions à créer un nouveau chemin, à ajuster notre façon de faire, à tirer des leçons des mois et des années passées et que le point zéro que nous venions de traverser nous permettrait de faire table rase pour tout réinventer. Mais au lieu de cela, il est devenu de plus en plus autoritaire. Et quand les pluies d'automne se sont abattues, il a commandé toute une armée de flics. M'a interdit de bouger, m'a interdit de chanter, de manifester, a posé sa main sur ma bouche, s'est mis à contrôler chacun de mes déplacements, m'a interdit de me révolter, interdit de voir mes amis. Alors depuis, j'écris. Je ne chante plus, j'écris. J'écris puisqu'il n'y a que cela qu'il soit possible de faire, écrire pour ne pas crier trop fort. Et durant l'hiver, je l'ai regardé courir, brandir un remède, bondir à tous les carrefours, une seringue à la main. Perché sur un océan de plastique, je l'ai écouté déclarer qu'il souhaitait prendre soin de tous, que notre santé était au cœur de ses préoccupations. Puis je l'ai vu se retourner, cracher des épices néonicotinoïdes dans nos soupes, fabriquer des poulets sans poulet, expulser les réfugiés,
planter des hangars Amazon, cracher des gaz lacrymo dans les yeux de ceux qui marchaient pour le climat et continuer de déclarer « je prends soin de vous ». Alors j'ai cessé de pleurer, j'ai commencé à regarder ailleurs. Et tandis qu'aujourd'hui il déploie ses plans de précarisation de masse, qu'il parle de souveraineté numérique et qu'il continue de souiller la planète, je ne le regarde plus. Je ris et je voyage. Je tangue sur la mer, je vogue en mer solidaire. Le paquebot coule. Le paquebot coule. Il est en train de sombrer et emporte avec lui ses vieux bâtiments érigés, ses technocrates avides et sans scrupules. Le paquebot coule. Et tandis qu'il sombre, l'horizon, lui, se dégage. Alors, depuis la côte, on voit venir du lointain, comme une multitude de vaguelettes magnifiques, 1000 barques solidaires se frayant un nouveau chemin. Et plus le brouillard se lève, plus nous voyons que nous sommes des milliers, que nous sommes des millions à s'être fait larguer et à savoir naviguer. Un an est passé et maintenant, je souris. Je souris chaque matin de voir que nous sommes nombreux à bord de nos embarcations clandestines, avancées, solidaires et libres. Parce que maintenant, nous sommes libres. Le mot carrière n'existe plus. Le mot succès n'a plus de rime. Le mot ambition n'a plus de sens. Nous sommes libérés des chaînes de production. Nous sommes délestés de toute obligation de réussite. L'art est libre. La parole est libre. Nous ne jouons plus, nous vibrons. Nous ne courons plus, nous marchons. Nous n'attendons plus, nous vivons. Nous ne pleurons plus, nous rions, car maintenant nous prenons enfin le temps. Le temps et l'espace, voilà pourquoi nous occupons tout, nous occupons partout. Tu entends ? C'est une nouvelle musique qui frappe à nos oreilles. C'est un tempo nouveau. Tu entends ? Ça a commencé il y a un mois, ou un siècle, je ne sais plus. Et voilà que le mot théâtre reprend tout son sens. Et son sang, 100 théâtres en France qui reprennent leur fonction initiale. Être des lieux de désordre, de débat politique, d'agora, des lieux pour tous. Celles qui passaient devant le théâtre chaque jour pour aller au travail, pour chercher des enfants, pour acheter le pain, celles qui passaient là sans jamais se sentir légitime d'y entrer, la voilà qui pousse la porte, qui observe les murs, les escaliers, qui s'assoit le temps d'un café et se met à parler. Un autre qui dormait dehors parce que le 115, ça te fait pleurer toutes les larmes du corps. Celui-là a glissé un matelas devant les portes de la grande salle. Une autre aux cheveux en bataille vient deux fois par semaine. Elle ramène une soupe et s'exclame en riant : je ne comprends pas. Depuis que je viens là, je n'ai plus besoin de cachet pour dormir. Et tous, nous sommes au rendez-vous des assemblées. Et au menu du jour, nous avons une entrée d'infos à partager, un plat de discussion à prendre collectivement et un dessert de proposition. Alors le programme du théâtre, le programme rutilant avec ses grandes listes d'artistes reconnus, pendouille, désuet. Parce que ce qui compte maintenant dans les lieux occupés, ce n'est plus le programme affiché, non. C'est le présent. Le présent et la parole. Et dans ces lieux-là, ceux qui se taisaient depuis longtemps retrouvent parole, retrouvent les mots. Alors on parle trop, on parle de tout. Et les mots se lancent, résonnent en nous et font ping-pong dans l'assemblée. Et chaque après-midi, l'assemblée change, elle évolue. Et les mots s'affrontent, se collent, se confrontent et dansent et circulent de partout. Le hall d'entrée n'est plus un hall pour une élite lettrée et bien pensante. Le hall est un lieu d'échange, d'engueulade, de confrontation, de gouvernance partagée et d'amour total, d'amour en l'humanité. Alors on cesse de faire semblant et on vient là tout simplement en jog et en basket. Assis
Parfois on se déguise, on déballe nos plus belles tenues, nos teints lourds, nos babi gros, des casquettes à paillettes, et on va faire la teuf dans les supermarchés. Parfois la police est là qui nous attend, alors nous faisons notre plus belle chorégraphie. Nous lançons nos répliques les plus piquantes et nous repartons la gorge gonflée d'amour et le souffle grand en se disant rendez-vous au théâtre. Et ça sonne pas comme avant, ça sonne pas pareil. Et quand vient le soir, on se retrouve à quelques-uns et parfois même on joue de la musique comme ça, à l'arrache, autour de la table ou dans le micro de notre radio occupée. Et ceux qui écoutent ne sont pas assis bien confortablement sur des sièges en velours. Ceux qui écoutent font partie intégrante de notre musique. Une musique de rescapés, faite de briques et de broc, de hip-hop, de guitare, de bruit de cuillère, d'os et de chair et d'improvisation. Et tous les soirs, le vigile partage avec nous un moment de la soirée. Et chaque soir, le vigile change. Parfois, il a 19 ans et sort d'une formation sécurité. D'autres fois, il est bientôt retraité. Parfois, il vient de Tchétchénie, d'autres fois de Nîmes ou d'Algérie. Parfois, il joue un morceau de guitare et d'autres fois, il raconte le Hirak. Mais chaque soir commence ainsi. Le vigile pose son gilet pare-balles, s'assoit à la table et nous donne des nouvelles de ses parents et de sa femme. C'est pas pour dire tout ça qu'on a été programmé. À la base, on était programmé pour vous présenter Rhapsody, on a fait deux morceaux. À la base, on devait jouer trois quarts d'heure. À la base, ça faisait partie d'une tournée. À la base, vous savez bien que la base, elle a changé. La tournée n'a jamais eu lieu. Le temps sur scène est raccourci. Je sais que chacun fait de son mieux. Et puis nos mères, nos sœurs, nos frères, nos amours ne peuvent pas venir nous écouter. Alors, puisqu'on est là, puisqu'on a ce privilège d'être là, eh ben on prend cet espace pour vous raconter ce que nous vivons depuis un mois ou un siècle, je ne sais plus. Parce qu'il n'est plus question de se taire. Tout comme il n'est plus question de continuer à sauver sa petite peau, sa petite carrière, son petit confort. Le jeu ne marche plus. Le jeu a fait son temps. L'individualisme a fait son temps. Il est épuisé, foutu, fatigué, le jeu. Il ne vaut rien s'il est isolé. Par contre, il vaut de l'or quand il se rallie à d'autres, qu'il agrandit le nous, qu'il le diversifie et l'intensifie. Alors, le jeu devient le nous et le nous devient le monde. Nous sommes des femmes, des hommes, des queers, des conquérantes, des blessées, des luttants de toujours, d'un jour, des aventurières, des timides, des bigleux, des perdus, des révoltés, des tordus ou des futés. Nous sommes le monde qui se construit, nous sommes le monde qui se débat. Voilà pourquoi nous occupons tout, nous occupons partout.